Tu peux bien acclamer le Seigneur. Ah, nous voulons bien acclamer Dieu. Que celles qui sont assises nous rejoignent debout. Nous voulons bien acclamer Dieu. Je vois qu'on n'a pas encore compris. Nous voulons acclamer le Seigneur. Tout dépend de ta manière d'être dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu veux recevoir la solution ce soir? Est-ce que tu veux être guéri ce soir? Est-ce que tu veux trouver solution ce soir? Est-ce que tu veux trouver solution ce soir? Maman, je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu as une maladie. Mais ce soir, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Alors j'aimerais que tu accueilles bien la présence de Dieu. Que tu accueilles bien ta guérison. Que tu accueilles bien ton miracle. Que tu accueilles bien ta solution. Alléluia. Jésus, Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Alléluia. Merci, merci. Dis à la maman qui est à côté de toi, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Ou mon chez toi, c'est ma vous ringi à pas, il n'a plus le tatoka. Ou tatoka, tout le monde mwingi ne mangaribi à l'éo. Alléluia. Est-ce qu'avec joie nous pouvons accueillir notre papa? Aujourd'hui c'est la clôture. Nous pouvons accueillir la parole de ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Kukofurai mangaribi. Alléluia. Amen. Je sens que c'est chaud aujourd'hui. Chez Dan, il n'y en a pas ta mambo. Amina. Alléluia. Amen. Ah, n'a pas ta mambo. Amen. Gloire au Seigneur. Amina. Amen. Nous sommes dans une journée de célébration. Nous allons seulement conclure le message que nous avons commencé il y a 4 mardis. Et nous avons essayé de résumer et d'avoir beaucoup de temps dans la louange et dans l'adoration. Parce que bien aimé, nous pouvons prier comme nous voulons. Mais la louange brise les chaînes. Alléluia. La Bible dit Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Je peux vous donner un secret pour chasser les diables. C'est de louer même quand ça va mal. Même quand ça ne va pas, vous louez Dieu. Quelqu'un dit quelque part, lorsque nous louons Dieu, au milieu de l'épreuve, Satan devient fou. Parce que Satan amène des problèmes afin que nous soyons tristes. Mais nous lui disons à Satan, avec ou sans problème, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Avant de louer le Seigneur, nous voulons quand même accueillir certains invités. On va quand même accueillir certaines servantes de Dieu. Nous voulons accueillir Maman Mouadi. C'est elle qui est la présidente des femmes des assemblées de Dieu dans le district de Kasumbalesa, Moussochi. Elle nous a honorés aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. C'est une bonne maman. Elle est venue me rendre visite plusieurs fois au bureau. Elle a vraiment le fardeau de voir les mamans des assemblées de Dieu se réveiller. Il m'a dit, papa, on y partit, maman, Routoumi Kanaï. Boaba. Amen. Gloire au Seigneur. Peut-être que vous êtes dans la salle. Vous êtes servant de Dieu dans une autre église. Peut-être qu'on ne nous a pas donné votre nom.
Nous ne vous connaissons pas, mais Dieu vous connaît. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé. Si vous êtes là, levez-vous qu'on puisse vous accueillir aussi au nom de Jésus. Vous étiez peut-être invité. Vous n'êtes pas de cette église. Voilà, on peut acclamer le Seigneur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous voulons maintenant demander aux mamans de la parole éternelle de s'élever aussi, afin que nous puissions aussi acclamer le Seigneur ensemble. Les mamans de la maison, est-ce que les mamans de la maison peuvent se lever? Aujourd'hui, il n'y a pas une longue prédication. On va passer beaucoup de temps dans la louange. On va parler comme les Ivoiriens. On va louer jusqu'à fatiguer. Tokotombo l'anzambe ti. Alléluia. Alléluia. Frère Johnson, on doit bouger. Yo, là. Yo. Alléluia. Il faut dire au diable, je ne suis plus malade. Alléluia. Il faut dire au diable, je ne suis plus lié. Il faut... Ce n'est pas une simple chanson, c'est une confession de foi. Tu as dit, je ne suis plus stérile. Je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus maudit. Ma maman Bazali. Alléluia, allons sur la Yo Lela. Yo Lela. Yaya nanga le ki bango. Jésus Christ a gagné bango. Satan a suivi 3-0. Yo Lela. Je ne suis plus malade. Je ne suis plus malade. Oh, je ne suis plus lié. Je ne suis plus lié. Bouge-toi. Mets ta main dans le Jésus,
Parce qu'il est ton Dieu. Il a donné la valeur à la femme. La valeur que les hommes avaient rejetée pour la femme. Jésus a restauré la femme. Il a ramené la femme à sa place. Il a dit la femme, c'est l'aide de l'homme. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Oh, nous voulons t'honorer encore en ces instants. Nous voulons te rendre gloire parce que tu es bon. Toi qui ne fais exception de personne. Devant toi, il n'y a ni homme ni femme, Seigneur. Hey, gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne de nos louanges et de notre adoration. Seigneur.
tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être loué. Remasaka baba 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 baba. Je sens dans mon esprit ce cantique va bénir la vie de quelqu'un. Continue à l'adorer, à chanter. Continue à l'adorer, à la chanter. Continue à le servir dans l'adoration. Entre dans sa présence. Alléluia, Santoro Baba. Tu es vivant, Jésus. Tu es ressuscité le troisième jour. Nous croyons en un Dieu vivant, le vainqueur de la mort, c'est toi, Seigneur, qui déjoue le piège de nos ennemis. Ya mama 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 mama. Ah, bah y'a qui tangue, on a dit qu'à Dieu, kouke polele, kasi bako sale le côté. Yes, wazali. Oba tje, inanga. Alléluia, alléluia. Shama, shama. Nous adorons ta présence. Oh, nous adorons ta présence. Le mana baba 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 shema. Tu es présent. Tu es présent ce soir. Tu consoles nos cœurs brisés, Seigneur. Toi qui connais la douleur cachée dans le cœur. Il n'y a que toi. Yes, yes. Oh, Jésus. Yeah.
le Seigneur. Toi qui as dit ne craignez pas ceux qui touchent le corps, car ils ne peuvent pas toucher l'âme et l'esprit. Nos âmes et nos esprits sont cachés en toi. Seigneur, c'est toi qui veilles sur nous. Toi qui veilles sur nous. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur. Alléluia. Wenjo bwa na uko na tuchunga. Alléluia. Banakusa mwili lakini abakuse nafsi. Yesu. Banakusa mwili lakini abakuse roho. Nafsi yetu, roho yetu imefichwa. Yesu. Ndani yako Yesu. Alléluia. Ndani ya Kristo. Alléluia. Ndani ya Kristo. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé. Minapenda konesha moja mupendwa. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Maisha yako yambatane na mtu. Ta vie ne dépend même pas de ta famille. Maisha yako yambatane na jamaa yako. Non, non, même si ta famille n'est pas connue. Ata kama jamaa yako. Ta vie ne s'arrête pas au niveau de ta famille. Aishimamie mwatu wa jamaa yako. Tu es appelé à prier. Tu es appelé à monter. Tu es appelé à te lever. Tu es appelé à impacter. Tu es appelé à influencer. Alléluia. Jésus. Ta vie est cachée. En Christ. Christ. Et Christ est caché. Na Christ. En Dieu. Na donc avant que l'on ne te touche, on doit d'abord toucher Dieu. Et puis on doit toucher Christ. Chose impossible. Donc on ne peut pas toucher. Aucun sorcier ne peut mettre fin à ta vie. Aucune loi familiale ne peut bloquer ta destinée. Si dans votre famille il y a une loi établie, je détruis cette loi ce matin au nom de Jésus. Chez nous. Maintenant ça va changer. À partir de toi, chez vous va changer. Ce qui ne s'est passé pas dans votre famille va commencer avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Car ta vie est cachée. Dieu a déjà frappé d'aveuglement tes ennemis. Alléluia. Jésus. Ta vie est cachée en Christ. Christ est caché en Dieu. Et Dieu est assis dans les cieux. Seigneur, bénis ta parole. Bénis ce peuple qui est venu ce soir. Tu connais les problèmes les plus cachés. Tu connais les problèmes les plus intimes de chaque personne ici présente. Des problèmes dont on a honte de partager avec une voisine. Des problèmes qu'on ne parle même pas à son mari quelquefois. Des problèmes qui rongent les cœurs. Et toi, tu es le consolateur de cœur brisé. Partout où il y a un cœur brisé, Jésus, tu es là. Car la Bible dit, Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Car il est celui qui guérit les cœurs brisés. Peu importe ta souffrance, ton humiliation, tes difficultés, Dieu n'est pas loin de toi, maman. Les hommes t'ont condamné, mais Dieu t'a justifié. Les hommes t'ont chassé, mais Dieu t'a ramassé. Les hommes t'ont abandonné, mais Dieu t'a donné un nom nouveau. Dieu dit, tu es ma fille. Je t'aime tel que tu es. Avec tes défauts là. Ah, mais je suis amoureux de toi. Dis l'Éternel ce soir à quelqu'un. Alléluia. Jésus.
Ce soir, c'est un soir de restauration. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui remet ce que le monde nous a volé. Le Dieu qui remet ce que le diable nous a volé. Le Dieu qui remet même ce que nos erreurs nous ont volé. Il dit, peu importe la source de ce que tu as perdu, moi je suis l'Éternel des armées et je suis descendu afin de te restaurer, de te redonner ce que tu avais perdu. Car je suis l'alpha et l'oméga de ta vie. Le seul qui peut mettre un point à ta vie, c'est moi. Et je n'ai pas encore mis un point à ta vie. Ta vie ne s'arrête pas ici, ma soeur. Je t'amènerai plus loin. Ainsi dit l'Éternel. Je t'amènerai très loin. Je te ferai visiter beaucoup de nations. Tu voyageras à mon nom. Et les nations reconnaîtront que tu es une femme bénie de l'Éternel. Et les gens diront, voici comment est une femme bénie par Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Ne pleure pas, car tu ne seras pas confondu. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'appelle par ton nom. Je connais l'origine de ta vie. Je connais ton humiliation. Quand tu pleures, je pleure avec toi. Quand tu te plains, je me plains avec toi. Mais je ne te laisserai pas dans les larmes. Je suis le Dieu qui ramasse les choses jetées. Le Dieu qui ramasse les choses jetées. J'ai Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, bien aimé, la présence de Dieu est forte. Je n'arrive pas à prêcher. Je sens que le Saint-Esprit veut consoler un cœur. Alors je laisse ma place au Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, touche le cœur. Hey, Jésus. Jésus. Tu n'as pas encore perdu, ma soeur. Non, tu n'as pas encore perdu. On t'a dit que tu as perdu. Mais ton Dieu te dit, avec moi, on ne perd jamais. Avec moi, on ne perd jamais. On change seulement d'attitude. C'est que les hommes appellent l'échec. Moi, je appelle préparation. Alléluia. Saint-Esprit, touche encore les cœurs. Que le Saint-Esprit touche le cœur d'une maman ce soir. Une femme qui pleure. Oui, la consolation de Dieu. Alléluia. Le Seigneur. Le Seigneur. Est un mouchoir invisible et qui essuie les larmes invisibles. Maman, les larmes que les gens ne voient pas, Jésus le voit. Il connaît ton humiliation, il connaît le mépris sur ta vie. Il est descendu ce soir pour t'apporter la restauration. Non, il ne va pas te rappeler ton péché. Il sait que tu avais péché et il t'a dit, je te pardonne. Mais ce qui t'a dit ce soir, je suis venu te relever. Je suis venu te prendre par la main et te dire, lève-toi, car la route est longue. Non, 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 non
l'Éternel dit ceci. L'or et l'argent m'appartiennent. Toi sois seulement fidèle. Toi prie seulement. Toi crée mon nom. Et je te donnerai encore un capital. Plus que ce que tu as perdu. Car ce que moi je donne, c'est toujours au-dessus de ce qu'on a perdu. Car la Bible déclare la gloire de la deuxième maison. Sera plus grande la première maison. Alléluia. Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu qui t'a aimé avant même que tu ne sois né, le Dieu qui veille sur toi. Tu n'existes pas par toi-même. Tu ne respires pas par ta volonté. Je suis celui qui te fait respirer. Je suis celui qui te fait lever chaque matin. Crois-tu que je te fais lever pour t'humilier? Crois-tu que je te fais lever pour te garder dans la pauvreté? J'ai un plan merveilleux sur toi. Et personne ne m'empêchera d'atteindre mon but. Tu seras ce que je veux que tu deviennes. Ainsi dit l'Éternel des armées, j'ai à moi la capacité de remplacer ton chef afin que tu deviennes chef. J'ai la capacité de te donner le niveau que tu n'as pas aujourd'hui. J'ai la capacité de te donner tout ce que tu cherches. Je ne suis pas un homme pour ma vie. Je ne suis pas un fils d'homme pour me repentir. Je t'ai promis. Rappelle-toi ce jour-là sur la montagne. Je t'ai donné trois promesses. Je vais les accomplir. Les unes après les autres. Cette année ne finira pas. Tu verras ma fidélité. Alléluia. Jésus. Je suis Dieu. J'ai créé les cieux et la terre. Je suis Dieu. À moi tout m'appartient. Tu m'appartiens. Tu es à moi. Je suis Dieu. Alléluia. 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 Jésus. 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 Bien aimé, la puissance de Dieu est forte ce soir. La puissance de Dieu est terrible ce soir. Je vois des cancers qui quittent le corps. Le cancer est en train de quitter le corps. Le cancer est en train de quitter ton corps. Écoute. Le sida est en train de disparaître dans ton corps. Je le dis au nom de Jésus. Le sida quitte ton corps ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui c'est une nuit de miracles créateurs. Alléluia. Il y a parmi nous deux femmes. Ça fait longtemps. Elles ne voient plus leur cycle normal. Elles ne sont pas encore à la ménopause. Ce n'est pas la ménopause. Le Seigneur me dit, il débloque. Il remet ton cycle normal. Reçois cela au nom de Jésus. Oh maman, maman. Alléluia. Oh maman, maman, Yassayan. Il est présent. Oh Jésus.
Il est présent. Il est présent. Jésus est présent. Ce soir, Jésus est pour les mamans. Un mouchoir invisible. Jésus est un mouchoir invisible qui essuie les larmes invisibles. Les larmes invisibles. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Il est présent, Jésus. Il est présent. Il est présent, Jésus. Descends calmement. Calmement, tu descends dans sa présence. Il ne faut pas forcer les choses. Descends calmement, continue à l'adorer calmement jusqu'à ce que tu te sentes complètement visité par sa présence. Je libère les dons spirituels dans la salle au nom de Jésus. Que le message de Dieu soit transmis au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit touche ceux qui sont sensibles à libérer les messages de Dieu, l'action du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Nous restons calmes dans sa présence. Le Seigneur est présent. Il nous fait du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que nous allons parler juste pendant 10 minutes. Parce que le Seigneur a déjà parlé à notre place.
Genèse 2, 18, que nous avons lu dès le commencement. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et les thèmes que nous avons abordés pendant 5 mardis avec aujourd'hui. Femme. Je parle à toi, femme. Que tu es mise au monde ou pas, tu es femme. Que tu es mise au monde ou pas. Dieu t'appelle femme. Que tu sois adulte ou jeune fille. Dieu t'appelle femme. Ce que les autres femmes ont. Toi aussi tu l'as. Aucune autre femme ne doit t'intimider. Ce n'est qu'une question de temps. Lorsque ton temps viendra, toi aussi tu vas compter le nombre d'enfants. Lorsque ton temps viendra, toi aussi tu auras une bague de mariage à ton doigt. Lorsque ton temps viendra, toi aussi tu seras reconnu. Et respecté. Mais Dieu t'appelle femme. Et Dieu dit femme, tu es une aide semblable. On a dit beaucoup de choses sur ce thème. Je n'ai plus le temps de revenir. Je voulais faire un petit résumé, il n'y a plus le temps. J'aimerais tout simplement dire une chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce qui fait que la femme à côté de l'homme puisse être une aide semblable, qu'elle puisse apporter ce qui manque et qui amène l'humanité au progrès, c'est tout simplement le fait de l'unité. Quand je parle de l'unité entre l'homme et la femme, je ne vois pas seulement l'unité d'un mari avec une épouse. J'aimerais te faire comprendre, toi femme, mariée ou non mariée, tu as un rôle à jouer à côté d'un homme. Cet homme peut être ton père. N'avez-vous pas vu des femmes qui honoraient leur père? Ah oui. Il y a des femmes qui sont devenues ministres et derrière elles, leur père qui n'avait pas de nom est respecté aujourd'hui. Alléluia. À côté de ton frère, tu as un rôle à jouer. À côté de ton collègue au service, tu as un rôle à jouer. Au travail, tu n'es pas une décoration. Comme souvent, on aime prendre les femmes pour les mettre juste au niveau de l'accueil. Selon le marketing, on dit que lorsque la femme est à l'accueil, ça va attirer les clients. Écoutez, vous n'êtes pas là pour servir de marketing à votre entreprise. Vous êtes des contribuables au développement de votre entreprise. Bientôt, vous quitterez la réception. Et vous serez dans les bureaux des directeurs. Parce que ce que le directeur a, vous l'avez. L'intelligence, vous l'avez. Et vous, vous avez le Saint-Esprit. Père est un païen. Alléluia. Je parlerai de la puissance de l'unité. Depuis Genèse 1:28, nous avons vu que toutes les promesses que Dieu a données, il a donné à l'homme et à la femme. Il a dit soyez, soyez, soyez. Dominez au pluriel. Donc Dieu veut dire la victoire ou la domination. Ce n'est pas le masculin seul. Le féminin aussi a sa place. Donc pour que le monde soit bien régi, il faut que l'homme et la femme travaillent en regardant dans la même direction. La féminité. J'ai dit ceci. Partout où la femme a été négligée,
l'humanité a reculé. Mais partout où on a donné à la femme sa place, la société a évolué. Nous allons lire un verset. Deutéronome chapitre 30, le verset 30. Deutéronome 32, pardon, le verset 30. Deutéronome 32, verset 30. La Bible dit ceci. Comment un seul poursuivrait-il mille? Et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite? Si leur rocher ne les avait pas vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés. Alors dans Ecclésiaste au chapitre 4, le verset 12. Ecclésiaste 4, 12. La Bible dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Bien aimé, la Bible nous montre deux réalités dans ces deux textes. On parle de deux personnes qui sont des acteurs visibles, mais on parle d'une troisième personne qui est invisible. Dans Deutéronome 32, on dit, si une personne peut chasser mille, deux personnes peuvent chasser 10 000. Mais pourquoi deux personnes sont capables de chasser 10 000? Et si on fait des mathématiques normales, une personne chasse 1000, deux vont chasser combien? 2000. Mais la mathématique de Dieu, ce n'est pas la mathématique des hommes. La façon de voir de Dieu, ce n'est pas la façon de voir les hommes. Dieu peut te bénir là où les hommes t'ont condamné. Dieu peut te pardonner là où les hommes t'ont abandonné. Dieu peut agir là où tu n'as rien à main. Parce que sa façon de réfléchir, ce n'est pas la façon des hommes. Dieu dit, pour moi, deux personnes ne chasseront pas 2000. Ne chasseront pas 2000. Mais ils chasseront 10 000. Pourquoi? Parce que moi, leur rocher. Moi qui livre leurs adversaires entre leurs mains. En fait, le Seigneur veut dire deux personnes avec la troisième personne invisible appelée Jésus-Christ vont multiplier leurs efforts. C'est ce que Ecclésiaste 4 nous dit. Il dit, si toi-même tu te bats contre une personne, il va te résister. Mais si une deuxième personne vient t'aider, vous allez les maîtriser. Mais qu'est-ce qui donne la force quand vous êtes à deux? Parce qu'il y a un fil invisible qui s'appelle Jésus-Christ, le rocher de notre salut. Bien aimé, partout où il y a l'unité, il y a multiplication des forces. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme était resté seul, la victoire était à l'être partielle. C'est pourquoi il lui a ajouté la femme. Que les deux forment l'unité, cette unité qui amène la destruction des œuvres des ténèbres. Alors nous allons lire de Proverbe 31. Il y a trois versets que j'ai lus pour conclure cet enseignement. Mon exhortation ce soir, c'est que femme, tu dois tout faire pour protéger l'unité dans ton couple. Il y aura des choses qui vont chercher à vous séparer. Les erreurs de ton mari vont t'énerver. Les bêtises de ton mari vont te pousser à dire que je m'en fous de lui. Non. Si toi tu le lâches,
vous allez souffrir ensemble. Je donne un exemple. Un jour, il y a une femme qui est venue me voir à Lubumbashi. Elle dit, pasteur, depuis que mon mari est béni, l'argent, c'est dehors qu'il utilise. Il n'est plus à la maison. En tout cas, il est devenu. Alors moi, je viens pour comprendre. Afin que Dieu le frappe encore de pauvreté. J'ai dit, ma soeur, ça, ce n'est pas une prière biblique. Parce que s'il devient pauvre, même les nouveaux habits que tu commences à porter, toi si tu vas manquer. Tes enfants vont manquer. Le problème, ce n'est pas de dire que la pauvreté l'empêche de pécher. Le problème, c'est de dire qu'il soit converti. Or, pour que ton mari se convertisse, tu dois les prendre par les mains et les soutenir dans la prière. Car c'est la prière qui change le cœur de l'homme. Pas la colère. Ce n'est qu'un exemple, maman. Tu dois être prêt à pardonner pour gagner l'unité. Car derrière l'unité, c'est 20 000 qui seront détruits. Alors, qu'est-ce que le Proverbe 31 nous dit? À partir du verset 10, verset 10 à 11, je vais m'arrêter là, je ne vais plus lire les autres versets. Je lis seulement ça et puis on va passer à autre chose. Le temps est parti, mais c'est juste une conclusion. Écoute ce que la Bible dit. Bon, je commence par les versets 10, comme j'ai dit. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Maintenant, écoute très bien le verset 11. Les son mari a confiance en elle. Est-ce que ton mari a confiance en toi? Est-ce que ton père a confiance en toi? Je dis cet enseignement, ce n'est pas seulement pour les mariés. Je parle de toute femme à côté d'un homme. Est-ce que dans ta famille, on a confiance en toi? Est-ce que les choses que tu as faites n'ont pas fait perdre la confiance qu'on avait en toi? La force d'une femme, c'est de gagner la confiance de son homme. La Bible dit, la femme vertueuse a comme secret numéro 1. Son mari a confiance en elle. Totalement confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Si ton mari a confiance en toi, il partagera avec toi sa bénédiction. C'est pourquoi on dit, si tu gagnes la confiance de ton mari, tu ne manqueras pas de produits. Amen. Verset 12. Elle a bien plus de valeur, plutôt. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Est-ce que tu fais du bien à ton mari? On dit bien tous les jours. Ça veut dire même lorsqu'il rentre ivre. Même lorsqu'il t'a giflé. Je vais aller plus loin. Même lorsqu'il a pris une autre femme. Tu es chrétienne. Tu es déjà femme vertueuse. Vertueuse, on parle d'une femme qui a la vertu de Dieu. La Bible dit pour gagner la confiance de ton mari, tu dois lui faire du bien. Et non du mal. Mais j'aimerais quitter le mari. Cette parole peut être dite à nous tous maintenant. Parce que devant Christ, il n'y a ni homme ni femme. Considérons Jésus-Christ comme étant l'homme. C'est Jésus-Christ qui est bien-aimé mari de l'Église. Il est le fiancé de l'Église. J'aime comme on dit en Swahili, Bwana Rusi. Hein? Alléluia. Amen. Et nous, Église, nous sommes la femme vertueuse. Si nous voulons gagner la confiance de Jésus, nous devons faire du bien à Jésus. Tous les temps.
Prends ces versets, enlève ça dans le domaine du mariage. Mets ça dans le domaine de ta communion personnelle avec Jésus. Parce que je vous ai dit au début, ce qui fait la force de l'unité, c'est la présence de Christ. Si tu veux que la présence de Christ demeure dans tes affaires, si tu veux que Christ demeure dans la vie de tes enfants, même si tu es femme seule, que tes enfants excellent dans les écoles, que tes enfants aient des bons points, que tes enfants aient une bonne éducation. Si tu veux que Christ soit dans ta maison, dans ton entreprise, dans ton commerce, tu dois faire du bien à Christ. Comment faire du bien à Christ? Premièrement, aimer Christ. Deuxièmement, vivre dans la sanctification. Bien aimé, le péché, c'est un frein du progrès. Nous avons prié pour les gens pendant 4 mardis. Mais je constatais, nous prions pour les gens. Nous prions pour la guérison et la délivrance. Les gens reçoivent ces choses, mais quelques temps après, ils perdent cela. Pourquoi ils perdent cela? C'est parce qu'ils n'ont pas compris que si tu veux garder la bénédiction, tu dois faire du bien à Dieu chaque jour. Alléluia. Amen. Écoute maintenant la conclusion de notre enseignement. Proverbe 31. Le verset 30. À 31. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel. Tu peux remplacer la femme par l'église. Tu peux remplacer la femme par le business. Le business qui craint l'Éternel. Les mariages qui craint l'Éternel. Les ministères qui craint l'Éternel. Toi qui es un ministère, ton ministère doit craindre l'Éternel. La Bible dit la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera loué. Récompensez-la du fruit de son travail et comporte ses œuvres la loue. Tes œuvres vont te louer bientôt. Mais tu dois craindre l'Éternel. Pour ne pas tomber dans les pièges de Proverbe 14, 1 qui dit la femme insensée détruit sa maison de ses propres. Donc, en tant qu'aide, nous sommes appelés à présenter Christ par notre vie. Sans Christ, nous n'allons pas réussir nos mariages. On ne peut pas réussir nos affaires. Ça peut marcher pendant un temps. Tu peux me dire, pasteur, mais je vois d'autres femmes là qui ne prient pas. Elles ont des fétiches, ça marche. Ça marchera pendant un temps. Tu vas récupérer ce qu'il est là-dedans. Il ne faut jamais envier les païennes. Il ne faut jamais envier les femmes de mauvaise vie. Il ne faut jamais envier les femmes qui brillent sans avoir Dieu dans leur cœur. La Bible dit, seule la femme qui craint l'Éternel, la louange. Ici, on ne parle pas d'abord de louange des hommes, la louange des anges. Et la louange de Dieu lui-même. Et lorsque Dieu te loue, il y a la récompense. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse ces 5 mardis. Je sais que le Seigneur a touché beaucoup de femmes pendant les temps de prière qu'on a eu tout à l'heure. Là.
Alors je voulais te donner le secret pour ne pas perdre ce que tu as. Crains l'Éternel. C'est ça la fin du discours. Il n'y a rien au-delà de la crainte de Dieu bien-aimé. La crainte de l'Éternel t'amènera loin. S'il faut rater certaines choses au nom de Dieu, rate-le, ma soeur. Parce que ce qui était sera. Et ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ne pêche pas parce que tu as envie de quelque chose. Inclinons nos têtes dans la prière. Dis quelque chose à Dieu alors que nous terminons ces 4 jours, ces 5 jours de mardi spéciaux. Parle sincèrement à Dieu de ton cœur. Prie au nom de Jésus. Appelle le Seigneur à régner dans ton cœur. Afin qu'il soit le troisième fil de cette corde qui ne se rompra pas facilement. Appelle qu'il soit le rocher qui livre tes ennemis entre tes mains, qui frappe d'aveuglement tes ennemis. Jésus est ce rocher-là qui te donnera la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu te donnera la récompense de Dieu. Et tu seras appelé femme de distinction, et tu seras l'aide d'un homme. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Nous te rendons grâce, merci. Éternel Dieu des armées, merci. Pour ce moment, éternel Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour l'action de l'Esprit. Merci pour la consolation. Merci pour la réparation. Alléluia. Oh, Baba, c'est tout. Merci pour la restauration, Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole éternelle Kasumbalesa vous présente l'émission Heure du choix. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur la terre. Donc Dieu a soumis les lois terrestres sous l'autorité de l'homme. Pasteur Richard Wagna. La prière en dehors de la parole, c'est une incantation. Quand vous priez sans connaître la volonté de Dieu, vous êtes en train de faire une incantation comme les sorciers. Dis à mon peuple, je suis celui qui calme les tempêtes. Je ne connais pas quelles sont les tempêtes de ta vie. Peut-être tu as des tempêtes financières, tu as des tempêtes en famille, tu as des choses contraires qui viennent contredire les promesses de Dieu. Les tempêtes sont là pour empêcher la barque d'avancer, mais avec Jésus, tu avanceras. Pour cette émission, contactez le 081 01 58 074 ou le 099 87 40 322. Que Dieu vous bénisse.